Salut à tous. Alors on se retrouve avec un nouveau produit, on va dire une première, puisque je teste rarement les écrans. Alors rarement parce que c'est difficile d'avoir un rendu objectif sur un écran. Là, j'ai voulu tester ce produit parce que c'est un écran un petit peu particulier. C'est un Acer Predator. La référence, c'est le XB280HK. C'est un écran joueur qui a plusieurs particularités. Donc la première, vous l'avez vu, c'est que c'est un écran équipé d'une puce G-Sync. C'est aussi un écran 4K et c'est un écran 28 pouces et on va dire que c'est la référence, une des références avec lesquelles Acer tente de faire un retour dans le monde du gaming. Alors, premièrement, c'est un écran, donc 28 pouces, je l'ai dit, relativement cher. Alors, attention, je maîtrise, je modifie bien tout ça. C'est un écran qu'on va trouver autour de 650 euros et il n'est pas si cher que ça pour tout ce qu'il a dans le ventre. Alors, 28 pouces, donc. Pour un 28 pouces de qualité, il faut taper dans ces prix-là. 4K, n'en parlons pas. C'est une dalle TN-Mat pour les joueurs. Et il dispose d'une puce G-Sync. Donc c'est vraiment le top pour les joueurs et pour tous ceux qui veulent investir sur l'avenir. Alors le G-Sync, hein, j'y reviens beaucoup plus longuement dans le test web que vous allez retrouver dans le lien en dessous. Le G-Sync, il trouve particulièrement son intérêt sur la dalle 4K. Et vraiment, cet écran, tout au long des tests, ça a vraiment été un régal. Régal dans le confort d'utilisation, malgré la très haute résolution. Régal quand on le sollicite, parce que le G-Sync, comme je l'ai dit, prend vraiment tout son intérêt. Donc, bon, voilà, je vous balance un petit morceau de vidéo qui vous explique en détail à quoi sert le G-Sync. Mais je vous invite de nouveau à aller vers le test web. Et puis esthétiquement, c'est pas un produit, on va dire, qui dégueulasse. Hein. C'est pas un produit aussi agressif que ce qu'on retrouve chez Acer dans la gamme Predator, où il y a des PC vraiment assez agressifs. Là, on a un produit sobre. Donc même en 4K et malgré une fréquence de 60 Hz, on n'a aucun tearing sur cet écran. Et justement, ceux qui voient l'arrivée du 4K comme quelque chose qui nécessite des performances monstrueuses, un écran monstrueux, ben cet écran-là, il est capable d'encaisser. C'est vraiment un investissement d'avenir et il peut rattraper certaines petites faiblesses de votre configuration par le G-Sync. Donc, je vous invite vraiment à aller voir dans les détails du test. On peut pas expliquer ça en 2-3 lignes. Bon, quoi qu'il en soit, la proposition de valeur de cet écran, elle est vraiment excellente. L'image est excellente, la dalle TN donne d'excellents résultats. Et encore une fois, pour 650 euros, du 28 pouces 4K, avec tout ce qu'il y a dedans, on est vraiment sur un excellent rapport qualité-prix. Donc pour moi, c'est aujourd'hui un investissement vraiment d'avenir et un choix à recommander pour ceux qui veulent se monter une config costaud.